Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, vous ne m'avez pas compris. Je dis soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, quelqu'un ne m'a pas encore compris. Je dis soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis aussi l'homme de Dieu qui nous a conduits dans une louange de feu. Amen. Aujourd'hui, pasteur Samy, il était autrement. Bien-aimé, aujourd'hui, la façon qui nous a conduit dans la louange, bien-aimé, c'était une louange de feu. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Seigneur, bénis ton serviteur, Seigneur. Nzambe tikaite akambama na nguya na yon zang. Yesu Christ, nyon so koloba nzambe, eza la makanis na ete. Nyon so koloba nzambe, eza la bapansé na ete. Kolo tikaite, yosu la koloba au travers yé. Nzambe to pamoni, to kumbisiyo, poto zane lo manabiso, na kombo na Yesu Christ. Amen. 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 Bien-aimé, na kosenga soit na pasteur Sami soit na pasteur José pour na kosunga ngai po na banda ko kende tantôt na lingala tantôt na fasé pour tous na bana to lingi bana na biso pe bazo na message bien-aimé na lingi na solola na tina ya appel d'Abraham. Notre thème d'aujourd'hui des amis kolobela appel d'Abraham. Bien-aimé, je voudrais parler aujourd'hui de l'appel d'Abraham. Bien-aimé, Abraham Azali Nani. Qui est Abraham? Bien-aimé, Abraham Azali descendant ya Noé. Abraham, c'est l'un des descendants de Noé. Abraham Azali Mwana ya Terak. Abraham, c'est l'enfant de Terak. Terak ou Azali descendant ya Noé. Terak qui est l'un des descendants de Noé. Après le déluge. Sima ya Moulawe et Beta Kimakas. Après tant que le ciel qui, quand la pluie a pris fin, et l'arche de Noé était le maquis de couloir à montagne d'Arara. L'arche de Noé était restée sur le mont d'Arara. Montagne d'Arara est allée dans l'Arménie. Donc cette montagne se trouve à l'Arménie. Bien-aimé, Noé a Zalaki Nabara Misato. Noé avait trois enfants. Et Zalaki Sem. Donc l'un d'eux c'est Sem.
L'autre c'est Japheth. Et mon cousin là qui chame. Et le dernier c'est Cham. Nabas la maman Misato. Et leurs trois enfants. Yango va peuplant. Yango va peuplant. Leurs trois femmes. Yango va peuplant mon Kiliboyo. C'est eux qui ont peuplé cette terre. Biso tozali ba descendants na bango. Nous sommes leurs descendants. Toza ba descendants ya Noé. Nous sommes les descendants de Noé. Bien aimé na kata ba na Noé. Bien aimé parmi le les enfants de Noé. Na Robert ezala ki na Sem. Il y avait Sem. Ezala ki na Cham. Il y avait Cham. Ezala ki na Japheth. Il y avait Japheth. Bien aimé après le déluge. Bien aimé si Mayambu la makasi. Tango ba bima ki na masua. Quand j'étais sorti de l'arche. Et puis baba dek autant pour la koluka territoire à Kimia pour la s'installer. Et il se promenait pour chercher là où il pouvait s'installer. Bien aimé bakenda ki ti na la terre oyoya. Ya Chaldé na kata Babylone. Ils étaient partis jusqu'à Babylone de la terre de Chaldé. Et place ba s'installa ki. Là où ils étaient s'installés. Bien aimé, la Bible dit ceci. La Bible nous dit ceci, bien aimé. Noé abanda ki kosa la vin. Noé faisait fabriquer de vin. Abanda ki ko cultiver ba vigne. Il est qui ko kona ba vigne. Bien aimé, mukana nzambe lobi nini te. La Bible dit mukolo moko Noé alangwe masanga. Un jour Noé s'était enivré de boisson. Bien aimé Noé alangwe masanga. Il était ivre. Alangwe bilamba. Et il a enlevé ses habits. A Kekova dans la salon. Il est parti s'installer dans son salon. Moi l'année où j'avais ça tout cham. L'enfant n'a pas fait ça exprès. Moi la ligue à côté d'un endroit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait aller chercher. La ligue à côté d'un endroit où les petits étaient pour un gars lucanini. Mais bien aimé, à sa surprise, elle a vu son père nu. Malamoko boye amoni papa na ebolumbu. Mais le problème de cham. Les camboya cham. Quand il a vu son père nu, au lieu de chercher quelque chose de couvert son père, mais il est sorti avec la moquerie, il est sorti avec la raillerie, il est allé dire à ses autres frères pour qu'il venir et jeûne pour commencer à regarder son père qui était dormi nu. Cela n'a pas plu à deux autres fils de Noé. Et ils se sont dit que nous ne pouvons pas voir la nudité de notre père. Ils ont pris une linge. Au lieu d'avancer par devant, et ils reculaient pour qu'ils ne puissent pas voir la nudité de leur père. Ils se sont reculés jusqu'à là où était leur père. Et ils ont pris le linge pour couvrir la nudité de leur père. Bien aimé, tant que papa l'a mouki na kuitsa pongi. Quand leur père s'est réveillé, bien aimé, tant que kuitsa masangi sili. Quand il a repris son état normal. Bien aimé, papa ni koye ni saye makambu nyo soro ele kaki. Ils commencèrent à lui dire tout ce qui était passé. Balobi te papa tala yo langwa ki masango lala ki awa ozala ki bolumbu. On lui dit, papa, quand tu étais ivre, tu avais enlevé tes habits et tu étais resté ici nu. Et puis Cham tamayaki amona ki bolumbu na yo. Et Cham, quand il était venu, il s'est approché de toi, il a vu ta nudité. Et Cham tamayaki bolumbu na yo. Et quand il a vu ta nudité. Et Cham yé ayaki azoko sekaye li pe biso pe to bana kota la poto sekana yé longo. Et il a commencé à se moquer. Alors, oh, ils ont dit que non, comme ils se sont fait sauter. Cela ne nous a pas plu. Tout le monde a dit que non, papa n'a jamais tout le monde a voulu nous n'ayons dès qu'il nous battait des lobbies. Et nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas voir la nudité de notre père comme la Bible nous dit. Peut-on soit qui est là-bas. Et nous avons pris un linge. Tout le monde a dit la marche arrière. Et nous nous sommes reculés par derrière. Peut-on finir quand tu es au là-bas ou au là-bas. Et nous avons couvert ta nudité. Bien aimé, tata, tata, voyons qui témoigne à quand les alliés. Quand leur père a écouté tout cela, il était furieux. Mais comment moi, na oyoya, moni na lalali bolumbu, olé a protégé na yaso kereko seka, pote bani na nepe baya kota. Comment cet enfant, quand ma vie nu, lui commençait à se moquer de moi, et il est parti informer leur frère en rigolant. Bien aimé, ma kambounio se nana kiwana. Tous les problèmes a commencé par là. Papa a zilika ki.
Le papa était furieux. À maudire moi naya Cham. Il a maudit Cham. À maudire moi naya Cham. L'enfant de Cham. Il a maudit les descendants de Cham parce que Cham n'était pas maudit. Il a maudit les descendants de Cham parce que Cham n'était pas maudit. Parce que Cham n'était pas maudit. Parce que il a déclaré ceci. Oh, yé aloba ki boy. Il a dit maudit soit Cana. Aloba ki Cana na ela ke la mama be. Parce que Cana était le descendant de Cham. Poète Cana na ezala ki makitani ya Cham. Mais Cham n'était pas maudit. Kasi Cham yé moka na ke la mama ki mabe. C'était sa descendance qui était maudit. Ezala ki ndi makitani na yé ndi bazala ki bala ke la mama ki mabe. Pourquoi Noé ne pouvait pas maudire Cham? Noé avec laquelle Cham m'a bêté. Parce que la Bible dit ceci. Quelqu'un que Dieu a béni. Personne ne peut te maudire. Parce que Dieu, à la sortie de la barque, Dieu a béni Noé avec ses enfants. C'est pour cela que la malédiction ne pouvait pas atteindre Cham. Je dis bien, si Dieu te bénit, personne ne veut te maudire. C'est pour cela que la malédiction était sur Cana. Et puis Noé, il a commencé à bénir les autres deux fils. Il a béni Sem sur la bénédiction spirituelle. Il a béni Japhet. C'est la bénédiction matérielle. C'est pour cela que nous voyons les Israéliens sont les descendants de Sem. Parce que ce sont des gens qui sont attachés à la spiritualité. Et quand nous voyons les Européens, ils sont remplis avec des matériels. Parce qu'ils ont la bénédiction matérielle. Parce que ce sont les descendants de Japhet. Bien aimé, je voulais attirer l'attention de chacun de nos enfants. Bien aimé, écoutez bien nos enfants. Écoutez bien nos jeunes sœurs et frères. La Bible dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents afin que pour vous mettre la moutille. Afin que vous vivez longtemps sur la terre. Enfants, obéissez à vos parents pour que vous vivez longtemps. Écoutez-moi les enfants. Écoutez-moi nos jeunes frères et sœurs. Si un père te maudit, si un père dans la chair te maudit, cela exaucé dans les cieux. C'est pour cela que nos jeunes frères et sœurs, ne blaguez pas avec vos parents. Et ils sont des dieux ici sur terre. Bien aimé, Dieu avait exaucé ce que Noé avait prononcé sur ses enfants. Et après, quand la population commence à se multiplier, et Dieu a fait appel à Abraham. Pourquoi Dieu avait choisi Abraham? Parce que la bénédiction spirituelle a été prononcée sur Sem. Alors Abraham, il est descendant de Sem. Et là où il vivait dans les chaldées, Dieu a choisi Abraham. Pourquoi il n'a pas choisi les enfants de Cham? Pourquoi Dieu n'avait pas choisi les enfants de Japhet? Mais Dieu a choisi la descendance de Sem. Parce que la parole a été prononcée dans la bouche de son père. Bien aimé, nos enfants, nos jeunes et sœurs, même si vous naissez ici en Europe, l'Europe c'est un pays comme tout autre.
Malgré tout, vous allez à l'école. Mais je bénis Dieu. Il y a un certain nombre de nos enfants qui est ici, qui suit l'enseignement du Seigneur. Mais la plupart de l'école ici en Europe sont en train de détruire l'éducation de nos enfants. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit ceci dans le livre de Jean 15, chapitre 5. Voilà. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il a dit, alors qui sont qui n'ont la vie, vous pouvez aller au bon côté. Bien-aimés, mes jeunes frères et sœurs, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit à l'école. Mais plutôt écoutez beaucoup vos parents. Bien-aimés, il n'y a aucun parent qui a mis son enfant au monde qui voulait le malheur de son enfant. Si vos parents vous éduquent, pour vous instruire, pour que vous ayez une bonne avenir, pour que vous soyez des bonnes femmes et des bons hommes, ce n'est pas pour vous détruire, parce qu'il vous aime. Si un père ou une mère te punit, accepte-la, parce qu'il veut t'instruire. Ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour te corriger, parce que la fierté de chaque parent, il veut voir son enfant réussir. Quand il va commencer à montrer au monde, ah, ça c'est ma fille, ah, ça c'est la ministre de l'éducation, ah, ça c'est le ministre des affaires étrangères, c'est mon fils, ça fait la joie des parents. Mais ça fait l'orgueil du parent. C'est pour cela que nos enfants, je vous dis ceci. Écoutez-moi bien, nos jeunes frères et sœurs. Obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Écoutez ce qui s'est passé aux enfants de Noé. Cana, il était maudit parce qu'il s'est moqué de son père. Cana, il était maudit parce que son père, il s'est moqué de son grand-père. Cana, à laquelle ma qui m'a bien pointé, papa n'a yé à sa cana qui toi, à sa cana qui coco n'a bango. Et Dieu a exaucé cela. Si un père prononce une parole de malédiction sur son fils ou sa fille, cela atteindra son fils ou sa fille. Mes enfants, je vous dis la vérité, je n'ai rien de vous cacher, cela est vrai, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela, obéissez à vos parents. Yamwa la bien-aimé, c'est pourquoi Balingami Nzambe abengaki Abraham. Nzambe abengaki Abraham. Dieu appela Abraham. Parce que Abraham azali descendant dans la lignée ya Sem. Abraham est le descendant dans la lignée de Sem. Parce que Sem oyo papa prononça qui ma bénédiction spirituelle. Cette Sem que son père a prononcé des bénédictions sur lui. Alors Nzambe alingaki, Dieu voulait assepela qui na Abraham, il a plu à Dieu a plu à Abraham. Alors, il a Abraham. Il a dit Abraham. Ma fille, tu peux venir s'il te plaît. Ma fille. J'ai oublié chaque fois ton nom. Merveille. Comment ça va passer? Merveille de Dieu. Amen. Bien aimé, si nous pouvons prendre nos Bibles dans les livres de Genèse. Dans le chapitre 11. Dans chapitre 11, verset 31 à 32. Genèse chapitre 11, 31 à 32. Ma fille, tu es prête? Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Terah
prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Térak vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. Ma fille, n'allez pas, continue sur le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ma fille, si tu peux encore lire sur la livre de Genèse 18, verset 1. Genèse 18, verset 1. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Amen. Amen. Ma fille, tu peux aller t'asseoir, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, écoutez-moi. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays où je te montrerai. Va dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Bien aimé, écoutez-moi. L'appel a été adressé à Abraham. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans les lieux où je te montrerai. Je te rendrai grand. Ceux qui te béniront, je les bénirai. Ceux qui te maudiront, je les maudirai. Bien-aimé, la Bible dit ceci, Abraham partit. Abraham, il a pris sa femme Sarah. Il a pris son père Térak. Son père Térak. Et il a pris son neveu, le fils à son frère qui était mort. Et ils sont partis dans le pays de Canaan. Bien aimé, si nous voyons ici, ce qui totali awa. La Bible dit ceci, Abraham écouta l'appel de Dieu. Abraham, Bible dit, Abraham a eu qui kobenga mayanzam. Abraham est parti. Abraham a kendeki. Mais quand nous voyons ici, totali awa, l'obéissance d'Abraham n'était pas complète. Koboto si Abraham ezala ki mobimate. L'obéissance d'Abraham était à moitié. Koboto si Abraham ezala ki yandam. Puisque Dieu a dit ceci, point enzamba loba ki boy. Quitte ton pays. Bima na mboka na yo, quitte ta patrie, bima libota na yo, quitte la maison de ton père, bima na ndako ya boti na yo, va dans les lieux où je te montrerai. Kende na mboka oyo ngai na kolakisa yo. Abraham, il a bien fait. Abraham a salaki malam. Il a quitté son pays. Abima ki mboka na ye. Il a quitté sa terre natale. Abima ki mboka ya mabele oyo ya botama. Mais le problème d'Abraham, kasi likambo ya Abraham, la peine a été dressée à lui. Mais il a pris son père avec lui. Il a pris l'autre avec lui. Mais l'appel n'a pas été adressé à l'autre. L'appel n'a pas été adressé à son père. Bien aimé, je veux vous dire ceci. L'appel de Dieu, ce n'est pas une affaire de famille. Quand Dieu t'appelle, Dieu il t'appelle que toi.
Il n'a pas appelé ta famille. Aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui dans nos pays, dans notre pays Congo, un vent qui s'est répandu. Si quelqu'un il devient pasteur, bien-aimé, il veut à tout prix forcer ses enfants, sa femme et toute sa famille de devenir des pasteurs aussi. Bien-aimé, ça ce n'est pas Dieu. L'église de Dieu ce n'est pas la royauté. Qui va commencer de père en fils. L'église de Dieu c'est spirituel. L'église de Dieu c'est Dieu. Tu ne peux pas mélanger les choses de Dieu et la famille. Et Abraham il a quitté. Bien qu'il a quitté, mais il était toujours attaché à sa maison. Il était toujours attaché à son père. La Bible dit ceci. Abraham il a quitté Ur à Chaldée. Et ils ont continué la marche, bien-aimés. Ils ont arrivé jusqu'à Charan. Au lieu d'aller jusqu'à Cana, alors la promesse a été prononcée. Abraham s'est arrêté à Charan. Bien-aimé, comme je viens de dire ceci, ne force pas quand tu as un appel. Ne force pas quand tu as un appel. Et de prendre tous tes enfants, de commencer à les consacrer des pasteurs, même s'ils n'ont pas des appels, toi tu les consacres des pasteurs par force. La plupart des églises nous voyons aujourd'hui, c'est des sociétés privées de la famille. Ma société moko ya bateau. Parce que dès qu'un pasteur est élevé, il voit même des frères qui sont ici, des disciples, qui ont la grâce, mais ils commencent à l'étouffer. Mais même si Dieu les touche, il dit que ces frères-là, moi je les choisis. Lui va voir, mais si ses frères viennent à côté de moi, il vous regarde les paniers, il va contrôler tout ce qu'il y a dans les paniers. Il va contrôler tout ce que nous faisons ici. C'est pour cela, ces frères-là ne vont pas être à côté de moi. Et c'est pour cela qu'ils commencent à choisir leurs enfants. Ils forcent leurs enfants à devenir des serviteurs de Dieu. Même s'ils n'ont pas la grâce, mais ils font des efforts qu'ils viennent des pasteurs. Bien aimé, écoutez la conséquence qui est arrivée aux enfants d'Élie. Élie qui était prophète en Israël. Dieu préparait Samuel pour succéder à Élie. Mais Élie, lui, on est d'attendre ce que Dieu préparait, mais il a fait par la force, il a fait de ses enfants des prophètes. Des sacrificateurs. Ou des prophètes, des sacrificateurs, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Donc Élie, il a fait ça, il a fait pour avoir place, il a fait des sacrificateurs. Bien aimé, regardez les scandales que les enfants d'Élie ont commis sur Israël. Bien aimé, les enfants d'Élie ont commis des dégâts dans Israël. Bien aimé, parce que cet appel n'était pas de Dieu. Bien aimé, chaque fois les hommes élèvent quelqu'un, cela échoue toujours. Mais lorsque Dieu élève quelqu'un, que tu veux ou pas, tu vas voir la victoire. Si nous voyons aujourd'hui des dégâts dans nos églises, parce que certains de nos serviteurs ils ont été forcés, parce que certaines personnes ils donnent beaucoup de l'argent,
nous sommes appelés à nous sauver l'église. Et pasteur, il a peur de le perdre. Et pasteur, il a dit qu'on va m'apporter des voyants à l'église. Frère, Dieu, que nous avons un bouillon, pasteur. Frère, toi, comment je vois que tu as l'onction. Bien-aimé, si tu n'as pas la paix de Dieu, même si on te nomme pasteur, tu vas t'arrêter à Charan. Tu ne vas pas continuer la marche sur Cana. Il faut que Dieu t'appelle. Ce qui est arrivé aux enfants de Élie, ils n'ont pas accompli leur mission comme son père était. Bien-aimé, écoutez-moi. La paix de Dieu, ce n'est pas une affaire communautaire. Bien-aimé, quand tu es venu sur cette terre, tu es venu seul. Et quand tu vas laisser ce monde, tu retourneras seul. Même la personne qui est attachée à côté de toi, qui te dit de dis je t'aime par jour. Il y a certaines personnes quand ils sont en vie. Regarde les paroles qu'ils disent à leur conjoint, soit à leur conjointe. Chérie, lorsque je mourrai, nous irons le même trou. Écoutez, quand son mari ou sa femme va mourir, appelle-lui. Écoutez ce que tu avais dit quand ton mari vivait. Écoutez ce que tu disais quand ta femme était en vie. Maintenant tu rates. Ah, tu vas voir ce qu'il va commencer à dire. C'est toi qui prononçais les paroles. Bien aimé, je voulais vous dire ceci. Il y a certaines belles paroles qui sortent. C'est comme les corbeaux et les renards. La personne, elle est en train de te sucer petit à petit. Justement pour t'avoir. C'est vrai, bien aimé, il y a des gens qui disent je t'aime, ils t'aiment vraiment. Mais ce n'est pas de dire que quand tu vas mourir, on va partir à ça. Ça, c'est du mensonge. Il y a une seule personne qui est partie avec toi au tombeau, qui sera avec toi au tombeau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, c'est pourquoi je voulais te dire. Quand Moïse appelle, quand tu as la peine de Dieu, appelle elles ont concerné yo. Les autres personnes, Baza Lokola, ils sont comme. Ngabenga Lindala, la Bobi Lindala. Ils sont comme de palmiers. Bobi Lindala. Ils sont comme des palmiers. Lindala, palmiers. Quand le vent vient à gauche. Lui il suit le mouvement du vent. Et quand le vent vient à droite, et lui il suit le mouvement du vent. Quand le vent vient au milieu, et lui aussi il va au milieu. C'est comme d'autres personnes dans ces gens, dans ces mondes. Ils ont influencé par d'autres personnes. Il regarde son meilleur. Bien aimé, écoute-moi de vous dire cet après-midi. Les maris, les femmes, les enfants, les amis qui nous entourent, c'est une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Si Dieu ne voulait pas, tu ne pouvais pas entourer de toutes ces personnes qui t'entourent. Bien aimé, c'est pour cela que je voulais dire ceci. Arrêtez d'être influencé par des gens qui sont autour de toi. Donc, regarde ta relation avec Dieu. Le jour où tu vas passer au tribunal de Dieu, même les avocats qui demandent cher, ils ne pourront même pas te défendre devant Dieu.
tu seras seul. Bien aimé, arrêtez d'être influencé par les gens. L'autre ne vient que par influence. Parce que l'autre est parti. Moi aussi j'irai. Lorsque lui ne viendra pas, lui dit non, mon pire n'est pas allé. Moi aussi je n'irai pas. Mais bien aimé, l'appel de Dieu est individuel. Et ça l'appelle à moto na moto. L'appel de Dieu est à l'yomoko. C'est pour toi seul. Et ça problème à communauté. Ce n'est pas le problème de la communauté. Problème à ma camaraderie. Et ce n'est pas le problème des amis. Et ça problème à famille. Ce n'est pas le problème de la famille. Et ça problème à la société. Ce n'est pas le problème de la société. Les rêves Abraham avait commis. Il a pris son père et son neveu avec lui. C'est que la paix ne les concernait pas. Il est parti avec eux jusqu'au Cana. Au lieu d'arriver au Cana, et place destination dans la destination que Dieu lui avait dit. La Bible dit ceci. Sont arrivés à Charan. Abraham a stationné à Charan. Abraham a télémis à Charan. Entre le père d'Abraham et Dieu, Abraham devait écouter plus qui. Na tata naye na nzambe. Abraham est ce que la kayo ganan. Abraham devait écouter plus Dieu. Abraham est ce que la kayo kamingi nzambe. C'est comme l'erreur que les enfants d'Israël ont commis. Et ça n'est même pas qu'il y a l'ibunga au bas d'Israël basalaki. Et quand Dieu voulait marcher avec eux par les prophètes, par les juges. Dans nos avaniers au temps où l'on a bango nanzélé à basam disciple nanzélé à basakoli. Et ils ont refusé. Bango baboyaki. Et ils voulaient un roi. Bango balinda qui moi mon konzimoko. Mais regarde que les rois qu'ils ont choisi. Tala mon konzimo bango aponaki. Il n'a pas été jusqu'au bout. Asalaki na bango tisukate. Tout ce que les hommes choisissent. C'est la folie. Cela n'aboutira pas en victoire. Tu auras toujours des défaites. Parce que tu as abandonné Dieu. Tu as accepté la voix des hommes. C'est comme Abraham avait fait. Il a quitté son pays. Il a quitté sa patrie. Mais Abraham n'avait pas abandonné sa maison. Puisqu'il a pris son père avec lui. Ils sont partis jusqu'à Cana. Mais au lieu d'arriver à Cana, là où la destination a été prononcée, Abraham a commis la Charan. Abraham arriva à Charan. La Bible n'a pas précisé si combien de temps Abraham était resté à Charan. La Bible dit ceci. Jusqu'à la mort de la père d'Abraham. Et Abraham, son espoir était perdu. Bien aimé, chaque fois nous voulons abandonner Dieu. Pour se confier aux humains. Dieu nous confond toujours. Écoutez ce qui est arrivé aux enfants de Noé. Quand ils sont sortis dans l'arche, ils voulaient construire un tour. Il voulait faire quelque chose. Il voulait être indépendant de Dieu. Ils ont cherché à être sous l'autorité des autres dieux. Bien aimé, quand tu commences à faire des choses à l'opposition de Dieu, il y a toujours une confusion totale. Et Dieu les avait confondus. Et ils ne commençaient plus à s'attendre l'un à l'autre. Et Baywana Minoko et Akikokota. C'est par là que plusieurs langues sont arrivées dans le monde. Bien aimé, Nagina Lobaboué.
je vais dire ceci. Si Dieu te dit quitte, bien aimé, il faut quitter. Et c'est lui là yo obima. Parce que c'est lui qui est la le commencement de toutes choses. C'est lui qui t'a créé. Tu vas obéir à lui. Et à lui seul. Bien aimé, il y a beaucoup des enfants de Dieu. Quand ils ont écouté la voix de Dieu. Quand ils écoutent l'appel de Dieu. Il y a des gens qui quittent. Qui quitte Babylone. Il a commencé bien de quitter Babylone. Au lieu de marcher jusqu'à Cana. Mais ils arrivent à Charan. Ils arrêtent. La Bible dit ceci. Toi qui courais bien. Qui c'est qui t'a dit d'arrêter? Cette influence ne vient pas de moi. La Bible dit ceci. Courez afin que d'aller remporter les prix. Bien aimé, ne regarde pas à ta gauche, ne regarde pas à ta droite. Mais regarde le Seigneur qui t'a mis au monde, le Seigneur qui t'a créé. Bien aimé, écoutez-moi. Ne confonds pas mes paroles. Je n'ai pas dit aux femmes de ne pas écouter vos maris. Ça, ce n'est pas ça. Et je n'ai pas dit aux hommes aussi de ne pas écouter vos femmes. Mais dans toutes choses que vous faites, faites-le pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur soit devant. Si ta femme conduit dans des choses qui sont hors du Seigneur, c'est là où je suis en train de m'insister. Ne l'écoutez pas. Si ton mari aussi amène dans des choses qui sont hors du Seigneur, parce que cela va vous détruire. Cela va détruire ta vie. Bien aimé, je connais un homme, un féticheur au Congo, qui combattait un homme de Dieu puissant au Congo, qui voulait à tout prix le tuer. Bien aimé, cet homme, comme il guérissait beaucoup de gens, les hommes de Dieu. Ah. Cet homme de Dieu, comme il guérissait beaucoup de gens, alors le monde des ténèbres s'est élevé. Mais comment cet homme a guéri plusieurs personnes, nous les gens que nous prenons en notre possession, et lui il est en train de le délivrer, de le guérir. Bien aimé, c'est pour cela que je fais appel aux chrétiens. Il faut beaucoup prier pour les hommes de Dieu. Parce qu'ils sont combattus jour et nuit. Le microscope satanique. Le diable les cherche vraiment par ce microscope diabolique. Il cherche par tous les moyens d'éteindre leur onction, leur feu. Parce que Aébi, que ceux qui m'ont tué à train de renverser. Parce qu'il sait que si le berger est renversé, le berger est déroute. Aébi, que Bavagoza la moufassé, Bavago paye la moutou n'est que le. Donc tous les wagons derrière seront aussi dans, à côté. Bien aimé, c'est pour cela que j'insiste, bien aimé. Il y a un ami qui a été accepté. Si Dieu te donne du temps, bien aimé, pour prier. Pour les hommes de Dieu ferrés. Nous, on n'a rien à vous donner. On a seulement cette parole que Dieu nous donne à vous transmettre. On n'a rien d'autre chose. Mais si vous priez pour les hommes de Dieu, Dieu va vous bénir. Alors, cet homme de Dieu, comme il faisait beaucoup de miracles, alors le féticheur là, il s'est énervé, il est fâché. Il a dit, moi je vais tuer cet homme de Dieu.
Vraiment, comme il en a l'expérience. Non, dans la sorcellerie, dans la sorcellerie. Il a déjà tué quelques-uns. Alors il a dit, cet homme aussi, moi je vais en finir avec lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à sa femme. Il a donné l'argent à sa femme. Il a recommandé sa femme pour marcher. Il a dit, allez chercher les tribus de Bukoko. Alors il va chercher les tribus ancêtres. Pour qu'elle puisse travailler ces choses-là, afin qu'elle ça lui serve pour la mort de l'homme de Dieu. Bien aimé, la femme est partie. Moi, je suis à Kendeki. Sans cynique. À Kendeki, à Zoma qui lui soutient. La femme est partie sans cynique. À Kendeki, à Zoma qui lui soutient. On appela l'homme après quelques jours. Viens voir le corps de ta femme à la salle des morts. Oh, mais moi je l'avais envoyé au marché depuis. Mais c'est pour cela que j'arrive à comprendre. Mais comment elle s'est retrouvée là-bas? Cet homme il a compris. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Il y a des gens, si tu le touches, tu prends son doigt, tu mets dans le brunet de l'aide de Dieu. Et cette femme était morte. Et cet homme, il a compris la puissance de Dieu. Après la mort de sa femme, il s'est converti au Seigneur. Parce qu'il a mis la même, il a vu la même puissance de Dieu. Entre l'homme et la femme. Qui c'est qui est perdant? La femme, tu es mort dans les péchés. Parce que tu voulais tuer l'homme de Dieu que ton mari avait commandé d'aller acheter des histoires. Et sur le chemin, tu n'es pas retourné pour demander pardon à Dieu. Et tu es mort. Tu vas en enfer. Et le mari s'est converti. Il ira au ciel. Bien aimé, c'est pour cela que j'insiste. Nous devons écouter plus Dieu que les hommes. Si tu es avec quelqu'un qui t'amène dans un chemin qui n'est pas de Dieu. Bien aimé, refuse. Mutazan a plusieurs autres. L'homme n'a pas de Dieu. Dieu a un dernier mot pour ta vie. C'est Dieu. Le seul Dieu qui a. C'est lui qui a la dernière parole pour ta vie. Bien aimé, écoutez beaucoup plus la parole de Dieu. Ne vous laissez pas emporter par le vent. Comme l'apôtre Paul avait dit dans le livre de Romains chapitre 12 verset 2. Romains chapitre 12 verset 2. Il a dit ne conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Si le monde part à gauche, moi un enfant de Dieu, j'irai à droite. Je dois discerner ce qui est bon au travers mon Seigneur. Apôtre Paul a dit ceci. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que moi je fais sur terre, cela n'est pas plus de moi. Cela n'est pas plus de mes proches. Mais cela vient tout droit du ciel. Je fais ce que le ciel me demande. Je ne fais pas ce que le ciel ne me demande pas. Je ne fais pas ce que le ciel ne me demande pas.
Bien aimé, toutes les instructions, moi je reçois. Ça vient d'en haut. Personne qui est à ma côté, à gauche, à droite, qui va venir me fiancer. Aujourd'hui, il y a certaines frères et sœurs qui sont en train de couvrir leurs proches par des mensonges. Il y a un téléphone qui sonne. Papa Patrick est à côté de moi. Moi je décroche le téléphone. Il commence à me faire signe. Moi je dirais il est là. Si tu fuis la personne, parce que on va te rattraper. Moi je ne peux pas pécher pour tes mensonges. Mais il y a beaucoup de gens qui couvrent ces sortes de mensonges, qui couvrent ces genres de mensonges. Bazali ko bomba lokuta ya ndenge oyo. Azana posa sepelisa muto azana ebembeni. Il a besoin de plaire celui qui est à ses côtés. Toi lingaye makasi. Pour que celui-là puisse l'aimer beaucoup. Akota ne karando na Nzambe. Akota karando na Nzambe. Qu'il puisse avoir problème avec Dieu. Oui. Bien aimé. Donc, ça va tout moussou, azo se pela vomi, azo a problème dans Nzambe, mais azo la bien à moutou, azo a pemeni na ye. Donc, il y a des gens qui acceptent d'avoir un problème avec Dieu. Disons des hommes qui sont à leur côté. Bien aimé, la ligne est bisayoboué. Je vais te dire ceci. Rappelle-toi. Kanisa malam. Tant vous êtes malade. Quand tu tombes malade. Qui c'est qui souffre avec toi? Nani oya yebi, oya yali komo na passe le mona yo. C'est ça. Les gens qui t'entourent. Bah tout bas les zinga zinga na yo. Peuvent avoir mal. Mais la souffrance, aucune fois la personne va dire au médecin, échangeons-nous. À sa place, moi je vais tomber malade. Personne ne le fera. Les gens vont compatir avec toi. Mais la souffrance, c'est toi. Si Dieu te sort, c'est pas. Et tu seras emporté avec ta maladie. La seule personne qui va te sauver. Et la seule personne qui va écouter, qui va t'écouter. C'est Dieu. Bien aimé. C'est pour cela que je voulais vous dire ceci. Toti kakosala na troupe, ma tolanda ka lo yenge, parce que elle était la sali boyate za nzambe te ngape na sali. Arrêtez de suivre, bien aimé, les entroupements par rapport à ce que les autres font. Si eux le font ça, moi aussi je vais le faire. Bien aimé, Dieu a dit de quitter. Nzambe a lobi bima. Le périple d'Abraham. Le périple d'Abraham, le voyage. Ah, le mobembo d'Abraham. Et cela, c'est notre périple. C'est notre périple. C'est la vie chrétienne que nous faisons aujourd'hui. Bien aimé, aujourd'hui nous poursuivons un chemin pour aller vers Cana. Notre Cana, c'est le paradis. Là où le Seigneur va venir nous chercher. Mais bien aimé, voyage na yo, bien aimé. Ton voyage, okay, de mi balete. Vous n'irez pas à deux. Ok, de yo moko. Ok, tu iras seul. Bible lobi. La Bible dit. Mi baleba osanambetu. Deux seront au lit. Moko akei. L'un sera parti. Et l'autre resté. Mi baleba osanazamba. Deux seront dans les champs. Moko akei. L'autre est moko atikale. L'autre est resté. Ndeko bozanaye. Celui qui est tué. Sokaza na nzambete. S'il n'a pas Dieu. Ako tikala. Il restera. Bien aimé yango. Si vous allez influencer la bata mukili. Vous bien aimé, arrêtez d'être influencé par les gens du monde. Yo kamini mungongo ya nzambe. Beaucoup plus Dieu. Et lo koni nzamba zo senga ngai. C'est que Dieu me demande. Et lo koni nzamba limite na sala. C'est que Dieu ne veut pas que je fasse. Bien aimé bata mukili ba mobete lo maboko. Les gens du monde peuvent t'applaudir. Tango ko bébé la yo. Mais quand ça sera amen. Tu verras plus personne. Donc, tu verras plus personne. Comment la mukili.
quitter. Bah, ah, ils ont fait une naïe. Ah, ils diront, bah, c'est son mais il y a la naïe sur quoi? Pourquoi il nous a suivi? Mais il est grand. Il est grand. A Timbata Zayouma. C'est la de lui, mais ils ont fait une naïe. Mais bien aimé, Bango, ma papade, pour pousser. C'est elle qui t'est poussée. Tant que marcher sur sous terre. Non, ça ne marche pas. Bah, quoi que le Libanga. Et comment s'acheter les pieds? Bah, le billet sous Moïse et Exegibiso. Ils ont dit, Jésus, Moïse nous a dit. Moutaboye. C'est ce genre de personnes. Il faut l'accuser. Mais c'est eux qui t'ont amené. C'est eux qui t'ont amené dans ces trous. Pourquoi je vais te dire, bien-aimé? C'est eux qui t'ont amené dans ces trous. Arrêtez de vous attacher aux gens qui veulent vous amener. Hors de la volonté de Dieu. Arrêtez de vous et de vous écouter les gens qui vous amènent hors de la volonté de Dieu. Bien aimé, écoutez ce qui est arrivé à la femme de Lot. Écoutez ce qui était arrivé à la femme de Lot. Il est sorti de Sodome et Gomorre. Il est sorti de Abimé à Sodome et Gomorre. Mais ma candidature. Mais c'est pensé à elle. Donc elle pensait aux autres. Les gens qui ont mon argent, si je reprends l'argent, je vivrai avec ça là où je pars. Ah, maman Chantal, ça là, 150 000 tigas là. Maman Chantal est là, mon argent, 150 000. Bien qu'elle était sortie. Mais ses pensées étaient toujours à Sodome et Gomorre. Bien aimé, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Il était resté sur place. Bien aimé, je voulais vous dire cet après-midi. Quand Dieu dit de partir, il faut partir. Partir, ça ne veut pas dire partir à moitié. Partir, ça ne veut pas dire d'aller s'arrêter à Charan. T'as une destination. Tu vas aller au ciel. Là où Dieu t'appelle d'aller. Bien-aimé, je voulais vous dire ceci. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés. Mais ils sont toujours attachés à leur vieille habitude. Il y a beaucoup qui sont appelés. Ils sont toujours attachés à leur vieil accoutrement. Bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. L'église de Dieu a un modèle. Bien aimé, la Bible dit ceci. Nous allons habiller avec pudeur. Moi, je suis pasteur. Aujourd'hui, si vous me voyez avec fashion, et je viens ici à l'église avec fashion, toute slip dehors. Je ne pense pas que vous allez rester là. On a commencé au tournoi, on a passé la vitesse. Il y a un moment. On a commencé à dire. On a commencé à dire. On a commencé à Samy, pasteur, José, non, nous ne voulons pas de lui ici. Bien aimé, en tant qu'un enfant de Dieu, nous avons un genre d'accoutrement. Quelqu'un dit, si je porte ce genre de habits, je deviendrai une mère. Non, on t'a pas dit devenir maman Mubimba. Non, tu ne vas pas devenir une mère. Mais on te dit de s'habiller avec pudeur. Pour pouvoir couvrir ton corps. Parce que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté Babylone. Mais ils sont toujours attachés au mariage de cette femme. Bien aimé, cette mariage ça t'appartient pas. Même si cet homme il a beaucoup d'argent, son argent ne te sauvera jamais. Et son argent, cela ne te donnera pas la paix. Attends, même si elle a, il a beaucoup d'argent. Non, bien aimé, tu ne seras pas joyeux avec cet argent-là. Bien aimé, vous tapez ça que c'est moi. Mais celui qui donne la joie, c'est Dieu. C'est lui qui donne la paix. C'est Dieu. Quand Dieu dit de te quitter, bien aimé, il faut quitter. Bien aimé,
ne reste pas sur le chemin. Ne sois pas comme la femme de Lot. Il est devenu statue de sel à cause de penser en arrière. La Bible dit ceci. La personne qui met la main dans la charrue. Qui regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume de Dieu. Bien aimé, quand Dieu dit de partir, il faut partir, bien aimé. Même tes mauvais amis, il faut les laisser. Mais ceux qui m'ont dit que ça va mon naïveté, c'est une perte de temps que tu es en train de faire. Donc, c'est bon. Et ça, qui s'attend. Ah, tu ne fais que perdre ton temps. Il faut quitter, bien-aimé. Il faut quitter. Quand Dieu dit de quitter, il faut quitter. Quand Dieu dit il faut abandonner l'alcool, il faut abandonner. Bien-aimé, je vais vous faire un témoignage. Moi, par la grâce de Dieu qui suis aujourd'hui votre pasteur, Dieu m'a fait grâce comme je vous ai fait un témoignage le jeudi dernier. J'ai connu le Seigneur, j'étais très jeune. Je me suis converti au Congo. À l'époque, on n'appelait pas encore des églises évangéliques. À l'époque, on appelait des groupes de prière. À cette époque-là, on appelait l'Isanga ya Mabondeli. À l'époque, on disait même si tu es dans ton église, tu peux venir prier et puis retourner dans ton église. Et Dieu m'a fait grâce de les rencontrer à cette époque. Et quand je suis arrivé ici en Europe, moi qui étais converti, cherchais des églises, des groupes de prière. Il n'y avait pas. Je vous dis la vérité, il n'y avait pas. Dieu a fait grâce aussi. Quand je suis arrivé en Europe, j'étais trop jeune. C'était pas loin de ma conversion. Et je suis arrivé ici en Europe. Il n'y avait pas d'église. Je cherchais partout où je pouvais aller prier. Il n'y avait pas d'église. Bien aimé, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est comme un corps. Il a de la force qui est en train d'être nourri à chaque fois. Mais quand le corps n'est pas nourri, au fur et à mesure, le corps commence à s'affaiblir. C'est comme notre état d'âme. À l'époque, je n'étais pas pasteur. Je n'étais pas vraiment enfermé à la parole, mais j'étais vraiment fidèle à Dieu. Parce que dans mon entourage à l'époque, quand je suis arrivé, donc on dirait, donc il y avait toujours Bataba Shekula. Comme si on avait placé un agneau au milieu des loups, parce que tout autour de moi, il y avait des gens qui vendaient des drogues, il y avait des gens qui faisaient des chèques, il y avait des gens qui faisaient beaucoup de choses. Bien aimé, il y avait personne dans ce milieu-là qui travaillait. Bonsoir à 6 heures. Vous dormez à 6 heures. Pourquoi on va à 14 heures? Pour se réveiller à 14 heures. 15 heures, vous m'avez dit petit déjeuner. À partir de 15 heures, vous passez à partir. Des fois 18 heures. Des fois, tant que je suis à la moto. Papa, pour petit déjeuner. Comme je n'écoutais plus la parole de Dieu, j'étais tombé. Vu milieu dans la vie. En tout cas, Dieu me voit. J'ai vraiment cherché son église. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'église. L'église est à la quitter. Il n'y avait pas d'église. Na koma ki mutu normal. Na tsongela mutu ko la batuni. Na koma ki pende ba ba ka yaya.
je suis devenu donc quelqu'un normal comme les autres. Et na comme un peu comme ça, ma caméra c'est normal, n'est pas de passage. J'ai commencé à faire des choses comme les autres faisaient aussi. Mais bien aimé, je voulais vous assurer quelque chose. Bien aimé, quelqu'un qui a l'appel de Dieu. Bien aimé, à tous ceux qui l'ont mouqué. Même si tu bien aimé, que tu veilles ou pas. Même tu es comme Jonas qui était fui sous le bateau dans la mer. Poisson comme Benayo. Le poisson va cavaler. Pour que les terres on est si comme Tindaki. Que tu ailles prêcher là où Dieu t'envoie. Mais bien aimé, je vous assure. Je vous assure. Je vais être sincère à moi-même. La ligne qu'on va solo quatre nanga moko. J'avais pas la paix. Ma conscience me reprochait quelque chose. Ma kanisi nanga ito moté mananga y ezalaki kolo bananga y nakata. À chaque fois, je marchais. Il y avait des fois, au moins la maquillage était basanée. Tu vois donc le sang dans mon cœur bouillit. Mais ce n'était pas une fois. Et j'ai commencé à faire vraiment comment retourner à la parole de Dieu. Et je faisais tout. Parce que à chaque fois, donc oser sentir, on dirait, la culpabilité dans mon thème. Tu sens la culpabilité dans ton cœur. Bien aimé, j'essayais de tout. J'essayais même de faire venir des hommes de Dieu de l'Afrique. Bien aimé, je vous assure le jour où j'avais reçu la parole de Dieu. Et ce moment-là, mon âme. Donc la joie que j'avais dans mon cœur. Depuis ce jour-là. Makila ko pantalon banda au salangaye. Donc le cœur qui brillait dans mon cœur. Et ça la calé sous donc ça ne se répète plus. Yamona bien aimé. Yamona balinga ni. La ligne est sa biso boué. Ah donc c'est pourquoi bien aimé je veux vous dire ainsi. So kinzamba bengio. Si Dieu t'appelle. Il faut que yo kamungongo ya nzambe. Écoutez la voix de Dieu. Et non mungongo ya bato. Non la voix des hommes. Écoutez bien aimé. Yo kamulinga mi. Dieu a dit Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je voulais te dire ceci. Le Dieu que, à laquelle que tu as cru, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu puissant. Il est au-dessus de tout. Bien aimé, la personne qui va prononcer une malédiction sur toi. Lokola yon dimi Christ. Comme toi tu crois en Jésus. Et qu'on soit yoté. Cela ne va pas t'atteindre. Bien aimé, regarde Balak. Dans la Balak. Qui avait demandé à Balaam pour maudire les enfants d'Israël. À chaque fois, Balaam voulait prononcer les paroles de malédiction. Et Balaam prononçait les paroles de bénédiction. Bien aimé, quelqu'un qui te touche. Il touche Dieu. Dieu est content. Quand son enfant est dans la paix, écoutez ce qui est arrivé à Noé. La Bible dit ceci dans le livre des Puissants, chapitre 20, verset 10. Dieu, pendant les déluges, Dieu était en sécurité. La Bible dit ceci. Dans le livre des Puissants, chapitre 20, verset 10. Dieu était assis sur son trône pendant le déluge. Pourquoi Dieu était assis? Parce que son enfant Noé, il était en sécurité. Quand un enfant de Dieu est en sécurité, quand un enfant de Dieu est en paix, Dieu est assis sur son trône. Mais lorsque un enfant de Dieu est tourmenté, nous avons vu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 56. Quand on persécutait Étienne, il a regardé en haut. Il a dit, je vis Jésus debout. Pourquoi Jésus était debout? Parce que son enfant était dans la tourmente.
Bien aimé, je voulais vous dire cet après-midi, quelqu'un qui te touche, le ciel se lève et prêt d'intervenir. C'est pour cela, n'ayez pas peur de ce qui vous tourmente. N'ayez pas peur de ce qui vous persécute. Bien aimé, la Bible dit ceci. Je veux me finir là parce que je commence à aller à déborder le temps, je m'excuse. Dieu a apparu à Abraham sous un arbre. Bien aimé, le nom d'Abraham, qu'est-ce que ça veut dire Abraham? Pas Abraham, mais Abraham. Parce qu'il était Abraham, après il est devenu Abraham. Moi je parle d'Abraham. Abraham ça veut dire quoi? Abraham ça veut dire un père élevé. Mais bien aimé, vous savez, à l'époque en Israël, un père qui est appelé un père élevé, qui n'a pas d'enfant, c'est une honte. Ils sont humiliants. C'est lui qu'on est en train d'appeler fortuné. Voilà. Mais ce qui m'a dit que mon patas, il a même pas un euro. Quelqu'un croit qu'il a beaucoup d'argent, mais en fait, dans sa poche, il n'a rien. Et Abraham, on l'appelait un père élevé. Abraham, il y a un père élevé. Mais sans enfant. Pour Abraham, c'était une honte. Pour Abraham, c'était humiliant. Qu'on appelle un père élevé. Mais un père élevé qui n'a pas d'enfant. Un père élevé qui n'a pas de progéniture. C'était une humiliation. Un jour Dieu a apparu à Abraham sous un arbre. La Bible dit c'était pendant la chaleur du jour. Abraham était assis sous l'arbre. Dieu a apparu à Abraham. Bien aimé, pourquoi Dieu a apparu à Abraham sous un arbre? Bien aimé, parce que l'arbre, ça veut dire que la fécondité. L'arbre, ça veut dire la fécondité. Parce qu'un arbre, il peut commencer à produire des fruits même s'il a 100 ans. C'est pour cela que c'était une expression de dire Abraham. Même ton âge avancé, de la même façon que tu es assis sous cette table, malgré ton âge, moi Dieu, qui donne des fruits aux arbres à Satan, et je suis capable de te donner aussi les enfants, même à 100 ans. C'est pour cela, bien aimé, je voulais attirer l'attention de chacun de nous cet après-midi. Peu importe ton âge, ne préoccupe pas de ton âge, mais regarde Dieu qui fait donner les fruits aux arbres à Satan. Il est capable de faire dans ta vie à n'importe quel âge. L'essentiel que toi tu sois au pied de Jésus-Christ. Bien aimé, je voulais finir. Regardez les paralytiques qui étaient assis
pendant 38 ans sur la piscine de Bethesda. Bien-aimé, sa maladie est plus vieille que Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à 33 ans. Mais lui, il était assis sur la piscine pendant 38 ans. Bien aimé, quelle persévérance! Je vais vous dire à chacun de nous: ta persévérance va te sauver. Ta persévérance va te lever. Bien aimé, en fait, cet homme était guéri. Regarde la guérison de cet homme. C'était différent aux autres. Quand les autres pouvaient être guéris, ils avaient un devoir de plonger dans l'eau. Ils étaient obligés de plonger dans l'eau. Mais lui, il était guéri. Il était guéri à 500 plongées dans l'eau. Je vais dire à quelqu'un: si les autres sont guéris, ils étaient plongés dans l'eau. Et toi, tu guériras à sec. Dieu va te toucher à sec. Dieu va te bénir à sec. Ta guérison sera différente aux autres. Ta bénédiction sera différente aux autres. Bien aimé, pour finir, le père de Jean, Jean quand il était né, son père Zacharie, qui passait des moments au temple pour implorer Dieu pour avoir un fils. Et quand Élisabeth a enfanté Jean, bien aimé, vous savez, tout le temps selon la coutume, selon la tradition, l'enfant porte le nom de son père. Papa. L'enfant porte le nom de son père. Papa, ça dit papa naï. Ouais. L'enfant porte le nom de son père. Papa, papa naï. Et quand Jean était né, comme son père était Zacharie. Donc là, papa naï, Zacharie. Et tout le monde commence à l'appeler Zacharie. Mais Zacharie l'a dit, parce que Zacharie était muet, il commençait à écrire, il commençait à marquer. Les gens croyaient que Zacharie marque Zacharie. À toute surprise, il a marqué Jean. Les gens ont posé la question: y a-t-il quelqu'un de ta famille qui a ce nom? Je voulais dire à quelqu'un ce soir: tu seras unique dans ta famille, tu seras unique dans ta communauté, tu porteras un nom unique, tu seras unique dans la société, tu seras unique dans ton entourage. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Quand c'est bon, c'est dans Centras TV. Non, non, non. Just Destiné Centras TV.